La Banque Centrale Européenne a confirmé son arsenal de soutien monétaire face à un horizon économique encore très dégradé à l'échelle du continent. Depuis le début de la pandémie en Europe, l'institution s'est lancée dans une opération massive de rachat de dettes afin de garantir la solvabilité des États de l'Union. Si la reprise de la demande et les mesures de relance budgétaire soutiennent l'activité mondiale et celle de la zone euro, les perspectives économiques à court terme restent assombries par l'incertitude liée à la résurgence de la pandémie et au déploiement des campagnes de vaccination. Avant de songer à durcir sa stratégie monétaire, la BCE voudra s'assurer qu'un niveau d'inflation proche de 2% soit atteint de manière durable, ce qui n'est pas encore le cas. Christine Lagarde a également réitéré son appel à la mise en œuvre urgente et sans délai du plan de relance européen jugé primordial pour la reprise, alors que les 27 peinent encore à le faire ratifier par leurs parlements nationaux.